Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais ce que je voulais faire. Je voulais avec vous faire un petit peu de PVM, d'aller découvrir cette petite île de Noël et de faire le père Fouettard en hardi, parce que je l'ai pas sur mes persos. Comme ça, ça nous fait des petits coffres à ouvrir, enfin des petits cadeaux à ouvrir, et puis ça fait une petite session de PVM. En même temps, on XP mon petit panda, enfin voilà. On lance avec panda, je pense que c'est les tours qui vont être les plus importants. Allez, c'est parti. Plutôt en bas ou plutôt à... plutôt en haut ou plutôt à droite? En haut à gauche ou plutôt à droite? Je sais pas où c'est le mieux, hein. Ça va être un peu dangereux, je pense, hein. Le panda, il va se mettre là, il est obligé. Cheveux, il va se mettre là. Humility, on va la mettre là. Et Humilito, on va le mettre là. De toute façon, il faut finir collé. Donc, on est obligé d'aller chercher quelqu'un, non? Peut-être. Le panda, il pourra peut-être balancer la peluche tofu. Je sais pas si on peut porter jeter le père Fouettard. On va voir ça ensemble. C'est le premier tentat d'essai. Donc, faut finir collé, toujours. Alors. Déjà, on va essayer de le reculer, si on peut. On fait ça, on le porte. Peut-être que le tofu, c'est pas forcément une bonne idée, mais... Et on peut pas le lancer... Ah non, on peut pas le lancer, cascade. Ok. Donc attendez, on va le lancer vers eux. Ensuite, on va se donner des PM. On va se donner des PM et on va taper plutôt lui. Ouais. On va se mettre ici. Ouais, donc lui, c'est bon. Il a fini son tour, il n'y a pas de souci. Ok, il y a un Dark Vlad qui est invoqué. Ok. Ok. Il y a un Dark Vlad qui est invoqué, what the fuck. Avec ses 3800 points de vie, bon, il va se prendre des bastos de toute façon. Donc là, on va direct retirer des PM, parce que c'est ce qui nous intéresse encore une fois. Ok. Ah oui, non, putain, il gagne un PM à chaque fois qu'on lui en retire. Putain, j'avais oublié ça aussi. On fait la cupie. Et on tape plutôt lui, ou... peluche tofu. Allez, on tape la peluche tofu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je peux toucher? Non, on va rester là, on est obligé de rester là. Pour le coup, c'est un petit peu chiant. Avec ses glaçons là, lui il va nous saouler aussi. Le mini nuit est une invocation à part entière, ok. Ah oui, c'est que d'habitude je le faisais à 4 et non pas. Ok, alors. Ensuite, la petite Eniripsa, on va faire l'épée sur le Yop, bien évidemment. Le lapin, on va le mettre là où on peut. Et je pense qu'on va taper le tofu, hein. C'est vraiment lui qu'on veut tabasser pour l'instant. Ouais. Ok, et on est collé à la marionnette, donc ça va, on finit collé. Donc là, la variante, elle va peut-être vraiment être utile, hein, la cascade. Et la F4, comment elle va être collée, elle? Elle va peut-être être collée au mini-nuit, mais c'est pas trop grave. Ok. On commence par un rempart. Et le mini-nuit, on va peut-être le tabasser si on peut. Après, est-ce qu'il va me mettre en glaçon? C'est ça la vraie question, il peut peut-être me mettre en glaçon tout pourri là. Peut-être que vaut mieux taper pour préparer derrière. Parce que le Yop va tabasser la marionnette, je pense. On va voir la suite. Ouh, le soin! Aïe 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 aïe. Bon, le panda va pas être trop embêté. C'est chiant là. On va faire bon coco. Et une concentre. On la tue, ok, donc on reste... Oh putain, il va nous attirer là. Je vais essayer de stable yop du coup. On va essayer de stable yop. Ok. Alors. Lui, c'est le mini-nuit là qu'il faut tuer. On se débuff, on s'en fiche de toute façon là, on n'a plus besoin des PM. On stable yop parce qu'on veut pas qu'il soit porté. Enfin qu'il soit attiré. Et il nous reste 3 PA. On peut gueule de bois. Je sais pas si ça a un intérêt, mais... Voilà. Ok. Tape la peluche Wabi trop relou à heal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que ça fait partie des trucs un petit peu chiants. Quoi? Il me duelle? Mais non! Mais c'est une blague ce perso! What the fuck? Il m'a duelle! What? Ok, bon, on va essayer de tuer le mini-nuit, hein. De toute façon, j'ai peur que le mini-nuit nous fasse aussi foirer le tchal. Hein.
Là, il faut forcément qu'on retire un PM en fait. Enfin, deux PM, je veux dire. Parce que même si on lui en donne un, voilà. C'est toujours mieux comme ça. Et on va se mettre ici. Est-ce qu'il va mettre le Fekka en glaçon ou pas? Non, il a pas mis en glaçon, j'ai l'impression. Ok, c'est bon. On va tuer le mini-nuit. On va filer les PA parce qu'elle aura besoin de TP, je pense, forcément. Voilà. Le duel, quoi. What the fuck? Qu'est-ce que ça vient faire là, le duel? Ok. Je peux taper un petit peu la peluche. Avec la F4, je pense que je vais aller vers la peluche Wabbit parce qu'en fait, je vais l'arracher, donc je pense que c'est le mieux. Le peluche Bouffetou va défoncer le panda, je pense. Ça va, en fait. Ça va. Alors, on va TP. Le problème, c'est est-ce qu'on y va de ce côté-là ou pas? Je pense, hein. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a pile la PO. On fait ça. Ensuite, on fait ça. Ça et ça. Ok. On est bien, on est collé, on est un petit peu protégé. On a pris quelques dégâts, il va se soigner un peu. Mais c'est pas trop trop grave. Il met en glaçon que s'il crit. Bon, ça va alors, ça va, ça va. Est-ce que le Yop peut... Bon, bah non en fait. Le Yop peut rien faire en fait. Je vais me vitalité. On va faire des concentres sur le... Pff, non en fait, j'aime pas... C'est juste pour taper, hein. Taper pour taper, là, c'est ce qu'on va faire. Ça, on va garder toujours la peluche Bouffetou jusqu'à la fin, je pense. Le but, ce sera au tour 4 de tuer le père Fouettard. Voilà. Peut-être une divine, en fait, j'aurais dû la faire avant, mais c'est juste histoire 2, c'est... Ok. Allez, on continue. Le panda. Donc le panda, il peut pas... Il peut pas de debuff. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va porter, jeter. Enfin, il peut pas plus faire en termes de déplacement par rapport au père Fouettard. Je pensais à ça justement. Ok, il est mort, ça c'est bien. J'ai eu le bonus de la... enfin, du glyphe. Hein. Ouais, 20% dommage en mêlée. Je vous avoue que ça fait plutôt plaisir. Ok, bon. Là, on n'a rien d'autre à faire de particulier. C'est le père qui va s'avancer. Ok. Il fait peur là quand même, hein. En fait, comme il one-shot au corps à corps, après j'aimerais bien aller le tabasser, et ce sera au tour de la colère, quoi. Il a 4 PM! Oh le salaud! Ah oui, c'est que comme le bonus... Je sais pas s'il reste infiniment. C'est infini, apparemment. On peut pas me chance. Non, faut chance maintenant, lui. Je vais essayer d'aller le porter, peut-être, et de le dégager. Je sais pas trop ce que je vais faire avec... Avec la F4 et tout, je pourrais pas le... En fait, je peux rien faire là. Pff, ça sert vraiment à rien. Là, je vais soigner. Je vais full soin, du coup. Je vais filer les PA à l'énu. Je vais full soin, je pense. Voilà, je vais peut-être faire un soin en zone sans le tuer. Ça le tue pas. Il reste 200 points de vie, du coup. Mot de préve peut-être au cas où. C'est juste par précaution, parce que là en fait il va falloir que j'aille le porter, hein. Je sais pas, on va maîtrise. On va essayer de tenter un tour où on le kill, hein, de toute façon. Ok, bon, on va voir. Toute façon, il faut juste qu'on puisse pas se faire attirer. Le Fekka, lui. Le Fekka, je pourrais libérer tout simplement. 4 et je reviens de 2. Ouais, ça peut se tenter, ça peut se tenter. On va le libé. Voilà. J'attire juste avec un petit frisson. Là, il peut m'attirer. On va se gravito alors dans ce cas-là. Tac. Et on va le taper un petit peu. Voilà. En lui volant de l'agilité, comme ça, l'autre pourra un petit peu se déplacer. Le Yop, il va faire puissance. Puissance. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Rien, hein. Puissance. Je réfléchis, hein, ce que je pourrais faire de plus. Je peux pas massacrer et tout le faire sur lui. Après, je peux peut-être bon. Ouais, je vais faire ça. Massacre. Non, juste ça. On va venir ici.
J'aurais pu divine en plus, mais comme j'avais pas le temps, j'avais un petit peu peur. Et le panda, il faudrait qu'il puisse stab. Je peux venir ici, je pourrais pas. Non, je peux pas me donner des PM. Donc je peux pas aller le vulner malheureusement. Problème du panda là, c'est que je peux pas le vulner. À moins que je déplace volontairement le bouffe-tout avec. Genre je me mets là, je mets le bouffe-tout ici. Voilà, je fais ça. Double vulné. Et je me mets là. Ok. C'est bon. Alors, est-ce qu'il tue quelqu'un? Oh là, il y a le Minotaure qui est invoqué. Faut il faut qu'il rush sur moi. Plutôt sur Liob, du coup. Ok. Oh merde, il va me faire chier. En fait, faut que le panda finisse. Ok, il tape un peu, mais ça va. What? Pourquoi il s'en va comme ça? What? Ok. Bon bah on y va, hein, il faut y aller. Faut aller taper notre ami. De toute façon, le Yob va forcément bon coco. Ce sera forcément son tour. De toute façon, il sera forcément collé à encore une fois. Ou alors si je lui donne les PM au cas où. Moi je vais lui donner les PM. On va laisser lui et on va taper. Allez, on tape le gros. C'est notre tour, les amis. C'est notre tour. Faut qu'on reste collé, hein, on n'oublie pas. On vient là. Ok. Ensuite, Lenny. C'est un peu compliqué là. Ce que je fais, c'est un petit peu compliqué. Lenny, on va filer les PA au Fekka. Voilà. Hop, et on va taper au maximum. Hein. Hop. Hop, on reste collé au Dark Vlad. On finit ici, c'est bien. La peluche va nous taper un petit peu, mais c'est pas trop grave. Est-ce qu'on détacle avec la Fekka? On a beaucoup de tacles hein, avec la Fekka. Donc là, si on mise en garde, il me reste 11. Ensuite, je fais glyphe. Ouais, c'est ça, hein, il faut mise en garde. Mise en garde. Glyphe. Tac. Un petit vol. Ouais, je prends des dégâts, mais c'est pas trop grave. Et là, boum. Et on reste là. Est-ce qu'il y a un intérêt à se décaler? Ouais, on se met auprès près de la peluche bouffe-tout. Voilà, on finit collé. Alors là, c'est le tour du Yop qui est important. Donc, on va pas passer notre tour. On a 9 PM. Donc, on n'a pas les PM. On a les PM pile pour y aller normalement. Ok, on aurait 10 en plus avec le truc. Donc, on commence par colère. Et faut faire gaffe parce que si on. Oh putain! What? Je m'inflige 3000 là? What the fuck? Attendez, faut que je me bon collé au Yop là. Collé au bouffe-tout. What là? Les dégâts! Les dégâts de la colère! Excellent. Excellent, excellent. Il y avait marqué 8000. Il y avait marqué 8000 hein, sur les dégâts de la colère. Oh, la violence! Incroyable. Du coup, bon, on tape. Hein. Faut juste qu'on fasse gaffe. Vaut mieux passer par là, du coup. En fait, non, j'aurais dû le vulner, je suis con. C'est pas grave, je vais le vulner, vous inquiétez pas. Et mais attendez! Le glyphe m'empêche. Oh attendez, 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 attendez. Ouh! Le glyphe, comme il y avait déjà les 4 autour, il m'empêchait de faire la suite. Oh! Heureusement que j'ai fait ça. Parce qu'il avait aucun moyen de se déplacer, Lenny. Oh putain. Ok. 20% de dégâts, c'est normal. Ouais, mais c'était beaucoup quand même. Enfin, même moi, ça me paraît beaucoup, tu vois. Je sais que c'est beaucoup, mais ça fait quand même plaisir de voir des chiffres comme ça. Là, on va juste taper. Je pense qu'on finit quasiment, en fait. Hein. Tac, on soigne en zone. On reste collé pour le finir. Il aurait 53 points de vie. Peut pas détacler et la F4 normalement elle ira automatiquement. Voilà, elle finira avec un petit glyphe fulminant. Et bah ça me fait super plaisir. Quête mise à jour, vilain petit enfant. Est-ce qu'on a réussi au moins? Pouer fouettard hardy, yes putain. Ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir, yes. Ça fait vraiment trop plaisir. Ah là 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 là. C'est le massacre qui te faisait autant de dégâts, Umi. Oui, mais c'était la combinaison du glyphe plus la colère
plus massacre, enfin toute cette combinaison. De toute façon, je trouve que le glyphe avec le Fekka est extrêmement puissant en PVM. Je trouve extrêmement fort. Vraiment, j'adore en plus ce sort. Je le trouve trop bien. Vraiment, je le trouve trop trop bien. Ah là là, bon, ça me fait trop plaisir là. Première tentative d'un coup, bah, vous savez quoi? On va ouvrir maintenant si vous êtes ok. On va ouvrir ça ensemble. Donc on va mettre. On va faire un clear. Et on y va. Donc allez, c'est parti. En même temps, on va mettre ça. On va regarder un petit peu. Je sais pas s'il y a des ressources qui valent cher. On était à 300 000, je crois, de valeur. 390 000 de valeur estimée. Oh, j'ai validé un petit succès en plus. Ça m'offre plein de trucs. Et on a fini. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a... Ah, peut-être une ressource qui vaut cher. Prix moyen du lot, donc c'est forcément ça. On a eu ça qui vaut un petit peu. On a une langue de craquelope qui vaut un petit peu cher. Une materia mage verte qui vaut un petit peu cher. Un linceul qui vaut un petit peu cher. On a eu quelques trucs qui sont corrects. Et on va valider. Ah, et qui nous donne 10 nouveaux cadeaux. Voilà, 10 nouveaux cadeaux, les amis. Alors, on va faire quand même tri, aucun tri. Voilà, quelques petits trucs. Et on est passé de 390 000, je crois, à 440 000. Donc, à peu près 50 000. Et là, on est parti dans les gros cadeaux. Donc là, il peut y avoir des gros trucs. Une étoffe de Peki, déjà. Énorme, ça vaut 200 000, c'est vachement bien. Ça c'est nul. Gemme spirituelle de Bourquette, ok. Rune rapide, on s'en fout. Rune de chasse, on s'en fout. Un chien-chien, on s'en fout. Gemme spirituelle de Jolémante. Ok, on va ouvrir. Gemme spirituelle de Bourquette. Une grevette horreur? What? On a une grevette horreur dans le coffre, dans le cadeau? What? Ok. Potion de tsunami, ça c'est bien. Des petites runes. Gemme spirituelle de Royal Moot, Blob Renet, peau de Borker. Peau de Borker, pareil, ça vaut un petit peu cher. Un atouin, un chien-chien. Peau de Tanuquissan, c'est cool ça. Non, ça vaut que dalle. Si ça valait plus, ça valait plus, mais en fait, ça vaut que dalle. Tournesol affamé. Gemme spirituelle encore. Peau de Tanuqui, pierre précieuse. Alors, apprivoisement de conture, parchemin de sort capture d'âme. Ok, on a eu les petits sorts de capture d'âme et apprivoisonnement de monture. Ça, c'est cool. Rune PA. Atouin et No Moon. Atouin, ça, on l'a eu. No Moon, je crois pas. Hein. Blop indigo. Potion d'incendie. Un atouin, encore une fois. Rune de chasse. Pierre précieuse. Invocation de Chafferfu. Cool. Pot de Tanuqui. Ok. On passe dans les 10 derniers. On a eu des runes, des trucs coin-coin, des gelées, gelée royal menthe, gelée royal bleu, une étoffe de Peki, ça c'est super bien. Je vous conseille d'ailleurs d'attendre avant de le vendre, parce qu'à Noël il y a souvent des cadeaux comme ça qui sont ouverts. Et sort d'invocation de Chaffeur, donc on a eu pas mal de sorts au final. Des sorts d'invocation de Chaffeur, des sorts de capture de monture et apprivoisement de monture et capture d'âme. On a eu un petit parchemin, on a eu quelques petits trucs, des bûches, des machins. Des petites... Oh, franchement, on a eu des trucs qui valent cher parce que... Prix moyen, on a eu grevette d'horreur, ça c'est super. Et on a eu une étoffe de Peki, ça aussi c'est super. Donc franchement, une très bonne ouverture, un bon petit live. Première tentative de Père Fouettard. Des bons petits cadeaux sur les 100, parce qu'on en a eu 100 au total. Enfin, on en a même eu un petit peu plus de 100, mais on n'a pas eu 100 cadeaux surprenants. Enfin voilà, ça m'a fait super plaisir. Bon les amis, on va s'arrêter sur cette petite victoire et sur ce petit combat. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. C'était voilà, un petit live posé tranquille.